Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, abonnez-vous. Sinon, vous allez laisser passer beaucoup de choses. Abonnez-vous à cette chaîne et activez cette notification. Hein? Et je remarque toujours que les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas des abonnés. Les gens ne donnent même pas des j'aime. C'est pas bien. C'est pas. Au moins, aidez-moi à avancer. Ou bien, merci beaucoup. Alors, comme je dis encore, je dis toujours. Nous avons maintenant une équipe, hein, nous sommes ouverts à tout type de collaboration avec des entreprises, hein, ou bien des entreprises qui proposent des produits ou des services. Rentrez en contact avec nous grâce à notre email, cliquez pour gagner, arrobase, cliquez pour gagner 456@gmail.com. Alors je resterai l'email en dessous de cette vidéo. Alors, si vous voulez apprendre du monde de la crypto-monnaie, vous voulez vraiment apprendre là, venez dans ce groupe. Nous sommes 13 000, plus de 13 000 personnes. Rentrez dans ce groupe et vous allez voir, hein, vous allez avoir les informations tout à fait gratuites pour votre auto-formation. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons casser quelques petits papots. Oui, j'ai quelques petits papots. Vous allez remarquer que je fais maintenant des vidéos, hein, presque une fois par jour. Hein. Alors, encouragez-moi en me donnant des j'aime, hein, pour que je puisse venir toujours, toujours et toujours avec ce genre de sujets délicats. Alors, aujourd'hui, nous allons casser quelques petits papots, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein? Mais ça a lien avec quoi? Voilà, avec cette vidéo que j'ai faite entre-temps. Comment faire l'analyse basique, hein, d'une crypto-monnaie en quelques minutes? Voilà, donc j'ai fait une vidéo, ça date déjà de 11 mois. Oh, c'est déjà vieux, hein? Alors donc, aujourd'hui, nous allons décortiquer ça. Nous allons décortiquer, je vous dis vraiment, la vraie face qui se cache derrière certains projets. Sans donner, bien sûr, le nom de XY projet, hein? Après, à vous d'analyser. Le Bitcoin est actuellement à 31 000. Ok, c'est bon. Hein? Mais ça va descendre encore plus pour que les chiffres puissent passer, puissent partir. Hein? Et voilà, et se concentrer sur les projets sérieux. Alors, je sais que cette vidéo va encore choquer certaines personnes. Oui. Vous savez, quand quelqu'un crée un projet, quelqu'un crée un projet cryptographique, je donne un exemple. Et son intention, ce n'est pas l'innovation, mais la spéculation. Je vous dis maintenant comment vous allez détecter ça. D'abord, en premier lieu, ils vont créer un site. Du moins, ils ont créé un site. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà dit ça dans cette vidéo d'analyse basique. Ils vont créer un site, vous allez voir. Et il y a souvent certains pièges que les gens ne savent pas, que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Le piège, c'est quoi? Ces promoteurs créent un site, ils mettent en place une équipe et ils font quoi? Je dis allez dans leur, ils vont dire allez dans leur groupe, quand vous rentrez dans leur groupe WhatsApp, je dis dans leur groupe Telegram, ou bien sur leur compte Twitter, ou bien sur Instagram, je ne sais pas quoi, du projet. Vous voyez, il y a plus de 200 000 personnes qui disent, ah, le projet est sérieux, c'est faux. Je vous explique le pourquoi. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter. Vous tapez dans Google, acheter des membres Telegram. Vous avez la possibilité d'acheter des membres sur Telegram. Il y a plusieurs possibilités. Tu contactes et tu achètes les membres. Donc, ils vont faire quoi? Ces projets-là, en premier lieu, ils bourrent c'est pas moi, leur groupe Telegram avec plusieurs personnes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on achète les membres. Ils créent une chaîne YouTube, ils achètent les membres. Ils créent un compte Twitter, ils achètent les membres. Donc, ils achètent les membres. Donc faites beaucoup attention. Très attention. Donc, ces projets-là, ils font quoi? Quand tu rentres dans le projet, tu vois que non, ils sont 4 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Oh, c'est un projet qui vient de naître. Tu te dis, comment ils ont fait? Souvent, sans toutefois dire à 100%, souvent ces projets-là achètent les membres. Ils achètent les membres sur les sites internet, voilà, acheter les membres Telegram. Augmenter les membres Telegram de votre société. Donc, ils achètent ça. Ils achètent les membres Telegram. Ils achètent les membres Twitter. Ils achètent. Donc, ils achètent tout. Donc, ce n'est pas des vraies personnes. Tu vas voir, quand tu es dans leur groupe directement là, c'est souvent les mêmes personnes qui se parlent. Et tu vas voir que ces mêmes personnes, c'est la même personne encore qui s'est créé plusieurs comptes pour faire une simulation de conversation. Premier point. Premier point. Donc, il faut faire très attention. Quand vous analysez le projet, vous rentrez dans leur groupe Telegram. Sur leur compte, vous voyez, ne soyez pas surpris par le nombre de personnes que vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, on achète même les j'aime sur Facebook. On achète même
Tapez ça dans Google. Vous allez voir. On achète même les j'aime sur Twitter. On achète même les j'aime sur YouTube. Un peu partout. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Donc, premier point. Donc, quand vous rentrez dans leur groupe, ne dites pas que parce qu'ils sont 20 000, 30 000, que le projet semble être sérieux. Non. Ils peuvent toutefois acheter les membres. Premier point. Deuxième point. Deuxième point. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient, ces personnes-là voient des portails de notices en cryptographie. Les portails de notices et les informations. Exemple, on a coin, comment appelle-t-on? Comme Market Cap aussi a un blog. Elle a un blog, je pense, bien, je ne sais pas où ça se trouve. Elle doit avoir un blog, hein, et newsletter. Ils ont plusieurs choses. Donc, ils voient un portail de notices en crypto-monnaie, et coin télégraphe, tout cela, tout ce que les gens utilisent. Hein, les gens voient, non, ce portail de notices, là, ils ont plusieurs abonnés, ils ont plusieurs lecteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Deuxième point, ils vont faire quoi? Ils vont investir l'argent pour sortir dans ce portail de notices. Deuxième point. Deuxième point, ils vont écrire eux-mêmes, ils vont payer. Ils vont payer ce portail de notices pour sortir dans les médias. Ils vont écrire ce qu'ils veulent. Donc, le portail de notices ne fait que transmettre ce que les promoteurs du projet ont écrit. C'est tout. Donc, ils envoient et vous allez voir qu'ils sont un peu partout. Ils font du buzz. Donc, deuxième point. Deuxième point, ils vont payer les portails de notices pour sortir dans les portails de notices les plus vus sur le monde cryptographique, que ce soit en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qu'est-ce qu'ils font? Les gens sont forts, hein? Troisième point, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire quoi? Ils vont commencer par dire, bientôt nous serons listés sur Coinbase. Bientôt, nous serons listés sur Binance. Bientôt, nous serons listés sur Kraken. Ils ne font que faire la promotion des listings. Faites beaucoup attention. Quand vous rentrez dans un projet là, et il n'y a rien d'innovant, eux toujours là, c'est avoir beaucoup de membres, sortir dans les portails de notices, et aussi jusque des listings. Les listings sont bons. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais vous allez voir qu'il y a certains projets qui montent tellement. Eux-mêmes, les promoteurs ou bien les investisseurs, eux-mêmes, ils prennent certaines images. Je dis, mais ils prennent certaines images. Une image de Binance. Ils disent, bientôt on sera sur Binance. Bientôt on sera sur Coinbase. Alors, faites beaucoup attention. Ils sont en train de vous motiver à acheter parce qu'ils disent qu'ils vont aller sur Binance. On sait que quand Binance liste une crypto-monnaie, la crypto-monnaie fait un pump. Donc, ils sont en train de vous motiver. Donc, vous devez comprendre ces trois stratégies de marketing digital qu'il y a aujourd'hui. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Premier point, quand vous êtes dans leur groupe, sur leurs réseaux sociaux, Telegram, et leur channel Telegram, leur Twitter, leur tout, vous avez des milliers d'abonnés. Maintenant, il faut maintenant pousser la curiosité pour voir si ces milliers d'abonnés ont été achetés ou ont été conquises vraiment. Point d'interrogation. Deuxième point. Ils font une publicité. Ils sortent sur les portails de notices. C'est-à-dire que les médias, il y a certains même qui paient même pour aller à la télé. Ils paient. C'est-à-dire qu'ils investissent dans le marketing. Ce qui est tout à fait bien quand le projet est innovant et suit de marketing bien agressif. Ça, c'est intéressant. Mais quand le projet n'a rien d'innovant, le projet se concentre sur juste le marketing. Il y a certains projets actuellement là. C'est juste le marketing. Hein. C'est juste le marketing. Il n'y a rien. C'est-à-dire que acheter et vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'innovant. C'est vrai, certains vont gagner de l'argent. Mais ce n'est pas des projets où il faut holder vraiment à long terme. Faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Donc, je vous ai montré, vous pouvez acheter les membres Telegram facilement, free. Tranquillement, tranquille, tu as de la vie, achète. Sur les portails de notices. Les gens pensent que, je vous dis, certaines personnes, je vous dis aujourd'hui, certaines personnes pensent que le portail de notices, Coin Telegraphe, poste des annonces. Oui, ils postent souvent des annonces qui font, je peux dire en gros, oui, qui font, je ne sais pas comment dire ça, qui sont tout à fait écrits par eux-mêmes. Voilà. Mais
quand il poste une annonce sur une crypto-monnaie ou bien quand tu vois un portail de notice qui parle, voilà, peut-être d'une crypto-monnaie, ils peuvent toutefois l'écrire eux-mêmes parce qu'ils ont vu l'innovation dans le projet, ou ils peuvent toutefois recevoir de l'argent pour écrire ce que les promoteurs de ce projet cryptographique demandent. Alors donc, eux ont reçu leur argent, ils font copier-coller seulement, et vous vous lisez, vous dites, ah, là, la chose, là, ils sont forts. Ils ont juste parlé dans l'écrit. Maintenant, ils se concentrent sur le listing. C'est-à-dire qu'ils font la promotion. Bientôt, on serait sur Binance. Bientôt, on serait sur Kraken. Bientôt, on serait sur KuCoin. Bientôt, on serait... Il y a certains qui arrivent à lister là-bas. Et après, ça donne quoi? C'est là le problème. Donc, commencez par sortir de ces genres de projets shitcoin, ou bien quand vous rentrez à une porte de sortie. Et juste une porte de sortie. C'est tout ce que moi, je vous demanderai. Donc, aujourd'hui, pour vous dire simplement que tout s'achète. Ils vont même acheter même les youtubeurs. Oui, excusez-moi de vous dire. Ils vont acheter les youtubeurs pour faire des vidéos, hein, parlant de leur plateforme, parlant de quoi, mais sans apporter l'innovation, hein, de ces genres de plateformes. Il y a des youtubeurs, même, tu les paies combien? 1000 dollars, 2000 dollars, ils te font une vidéo chap-chap. Vous allez voir que moi, je ne viens plus avec des vidéos, avec des projets, parce que j'analyse le projet. Quand le projet, je vois que, à mon point de vue, ce n'est pas ça, ce n'est même pas la peine de me faire une proposition. Oui! Ça, c'est comme cela. Donc, faites beaucoup attention. Dans le monde cryptographique, c'est un monde bourré, hein, je sais pas, des marketeurs vraiment agressifs. Ils achètent les abonnés sur les réseaux sociaux. Ils achètent les portails de notices. Ils font la simulation des listings sur certains échangeurs. Comme je dis, certains listent leurs projets sur ces grands échangeurs. D'autres, par contre, c'est juste le haut-bas. Juste pour que toi, tu puisses voir qu'un jour, ils iront sur les échangeurs. Donc, les trois points là sont très importants. Les trois points là que j'ai cités sont trop. Donc, prochainement, quand vous êtes dans un projet, analysez. Regardez si ce projet a quelque chose d'innovant. Je ne veux pas toujours d'innovation. Les gens me disent, tu n'es jamais fatigué. Non, je veux toujours évangéliser l'innovation dans le projet cryptographique. Oui. Donc, en ce sens, je pense que j'ai duré dans cette vidéo. Il y a 12 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Donnez un j'aime, partez cette vidéo-là. Partez cette vidéo pour que les gens puissent savoir que dans les crypto-monnaies, hein, il y a certaines choses, voilà, qui ne sont pas, je peux dire, comme dit souvent, qui ne sont pas catholiques. À la prochaine vidéo. Ciao.